J'ai toujours rêvé de faire une vase de fleurs. Et ça, une vase de fleurs, c'est une chose joyeuse, avoir des fleurs dans la maison, c'est très coloré. Moi, je passe ma vie dans les ateliers. C'est mon monde à moi. Et je pense que c'est des créations et des magiques. Il y a une histoire ici. Aujourd'hui, plus que jamais, le travail des artisans, les gens qui travaillent avec leurs mains, c'est plus important que jamais. Sur le support de vases, je voudrais que ça se fonde dans les fleurs, des bleus, des roses, des choses très poétiques, une pastel, tu vois. Pour te dire la vérité, ce qui m'a inspiré, c'était la table de Yves Klein. So, je voudrais faire la table de John Wan. Et heureusement, j'avais la chance de faire ça avec Don. Ils ont le savoir-faire. Sur la table, je voudrais faire comme un contraste entre le jaune noir qui va être placé dessus et le fond qui est très coloré, style arc-en-ciel. Et j'ai utilisé ma signature pour un peu casser les codes. Et mon challenge pour moi, c'est d'imposer mon écriture, ma signature dans un lieu qui est soigné. Tu vois, les gens qui ont table de moi, normalement, c'est des gens qui sont très soigneux avec la peinture, avec les objets qu'ils mettent chez eux. Et c'était très agréable à peindre sur la table parce que c'était une table en métal et sur la sensualité de peindre avec une peinture comme j'ai utilisé sur ça, c'est très sensuel. Je voudrais vraiment une séparation. Parce que le rouge, il est très fort. So pour faire sortir le rouge, j'ai mis des blancs dans le orange. Comme ça, je la descends d'un petit peu d'intensité. Le rouge, c'est splendide. Le rouge, comme j'ai utilisé sur la table, c'est très, très dur à voir. Je pense que le rouge, c'est l'une des couleurs les plus difficiles à reproduire parce que le rouge, souvent, tu utilises un rouge. Dans beaucoup de différentes peintures, et le rouge, ça disparaît. Je ne sais pas, mais il y a une chose avec le rouge. Et le rouge, des fois, c'est mélangé pas bien. Mais un rouge que j'ai utilisé dans la table, qui est pétillante comme ça, qui est riche, c'est comme presque comme un rouge cerise. Mais dans cette gamme de couleurs que j'ai utilisée, le rouge et le parfum, ça sort de la table. Mais le bleu,
Je voudrais que c'est un bleu plus clair, pas trop dur, que c'est doux. J'ai mis un peu de blanc dans le bleu pour la douceur, parce que le bleu c'est une couleur très forte. Les gens ils pensent que c'est que je suis là, tu vois. Non, mais c'est réfléchi. Et c'est des petites nuances comme ça qui font ma peinture. Les blancs, les oranges pastels, les rouges et les bleus. Souvent, j'ai utilisé ça dans mes toiles, cette gamme de couleurs. C'est une répétition qui je fais tout le temps. C'est comme si je laisse une trace de mon passage. Sur les couleurs, avec la signature, ça fait sortir une partie de moi, une trace. Je vois cette table-là, c'est une réflexion de moi-même, mais antérieurement, parce que je vois ma signature qui fait une grande partie de ma vie, c'est une réflexion de mon âme quand je vois la table.